Salut à tous et à tous les amis, c'est Méga Samir qui vous parle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Batman Arkham Asylum. Nouvelle partie, donc après avoir fait le petit let's play sur Pokémon, je ne sais vraiment plus, je vous l'ai dit, je ne sais vraiment plus les touches. Donc ça va être vraiment très 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 dur pour moi de reprendre. Mais bon, on va essayer de faire quand même la partie correcte. Bref, je ne sais même plus où je m'en étais arrêté. On est, tout ce que je peux vous dire, on est sur 4, sur 22%, sur 50, je pense. Du jeu, donc on est vraiment oula oula, non, on ne fait surtout pas ça sur comment dirais-je, comment ça copie, ah voilà, sur comment dirais-je, on va y arriver sur l'histoire du jeu. Voilà, donc du coup allons-y gaiement, c'est parti. Ok. Qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi ça... Micro, il bug là. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, ouais. Donc là, je peux pas passer. Il doit y avoir une ouverture quelque part. Ramasser ses cassettes. Je regarde même si l'enregistrement ne bug pas, parce que j'ai eu des problèmes là, en ce moment. Attendez. On peut pas passer par là? Ah ben si, on pouvait. Qu'est-ce qu'il me raconte? Voilà. Ok. Ok. Allez, viens. Tac. Et un petit vide balayette. Ok, donc là on va vraiment commencer le petit jeu, enfin, la petite partie. Alors il faut suivre donc les traces de Quincy Sharp, le directeur de l'asile d'Arkham. Ok. On va être par là. On fait tout le tour en fait. Deux personnes ne voient pas d'armes. Deux personnes ne voient pas d'armes. On va faire l'énigme. Oh non. Oh non. Qu'est-ce que c'est que c'est des zombies? Des tarés? C'est quoi c'est? Il va ouvrir là, non? Le portail. Le portail va s'ouvrir à tous les coups. Ok. Attends, attends, il faut monter ou quoi? Non, pas du tout, mais ça sent plus que le portail va s'ouvrir à tous les coups. Bah oui. Sinon, je m'appelle pas Samir. Ok. La ligne verte. Ah, c'est Poison Ivy. Je ne suis pas vraiment fan des fleurs, Ivy. Ne bouge pas de là. Je n'ai pas besoin que tu t'échappes. Ok. Putain, mais c'est des tarés en fait. Non, je crois qu'ils ont été hypnotisés par Poison Ivy, non? Peut-être. Ça pue le combat qui arrive là. Le contrôle de la sécurité. Putain, il a été amené très loin. J'arrive. Et puis tant pis, je te fais une place.
C'est une brave gamine. Je pourrais regarder ces filles pendant des heures. Quelle folie, non? En parlant de folie, voici un peu d'agitation que j'ai mijoté rien que pour toi. Voilà, j'en étais sûr. Il a fait sortir les fous de la cage. Oh. Qu'est-ce que vous attendez? Il a pris le contrôle des systèmes de sécurité. J'ai le générateur de séquence, mais sans le terminal de mon bureau, il ne sert à rien. Le terminal a été détruit. Donnez-moi le séquenceur. Quoi? Oh, oui, bien sûr. C'est inutile. Vous n'irez nulle part sans le code entier. On est coincé ici. Séquenceur cryptographique permet de pirater les systèmes de sécurité à l'aide d'ultrasons. Les protocoles de sécurité peuvent être décryptés à l'aide d'une clé de 512 bits. Il y a toujours une issue. Toujours. Sélectionnez le séquenceur cryptographique. Tata. Ok. ZL. Trouvez la cible du séquenceur. Graphique. ZR. Il faut trouver la cible, d'accord. Ah là, non, voilà. J'aimais pas ça que j'avais joué sur PC. Il. Ah, voilà. En fait, il faut arriver à coordonner nos joysticks. Restez ici. Ah. Et la porte, quand je parle. Nouvelle amélioration disponible pour le séquenceur cryptographique. Mais ça, c'est gueule d'argile, ça. Sortez-moi d'ici! Vous avez sauvé le mauvais directeur. C'est un imposteur. Vous savez qu'il y a des tas de fous ici. Pour ressortir. Ouais, je pense que c'est ça, il faut ressortir. Voilà. Ah, ça m'énerve quand t'arrives pas à les niquer là. Allez, vas-y. ZR et X. Voilà, je vais faire le contraire. Je faisais ZL au lieu de faire ZR. Quartier cellulaire, ouais. Elle est moche. Arrêtez. Allez, Queen. Ah. Putain. Faut ça les empêcher de... Ok. Faut que je m'y remette là parce que j'y arrive plus. Ok. Il y en a d'autres. Hein.
Ah! Ah, plus 6. Mais ça fait mal! Allez! Et bip! Hors de question de perdre. Allez, je vais y arriver. En fait, ça me perturbe le fait de contrer sur la première touche là. Élimination. Ok. Amélioration. Amélioration, armure 1. Du coup, ce sera amélioration, armure 2. Du coup, il faut pas aller par où. Ah, mais non, il faut continuer en haut. Ah! Je suis con! Mais con. J'ai pas vu où elle était partie. Elle s'est barrée par où? Mais non, mais on est con quoi. Il faut réussir à trouver un panneau qui nous permet de partir d'ici. Ah là, il y a un truc électrique là. Séquenceur. Voilà. Système de massification des patients désactivé. Parfait. Alors attendez juste. Tac. On va s'écasser d'entretien. Ok. Ouais, c'est ça. Arrêtez la cassette. Retour. Tac. Merci. Donc du coup là, on peut. J'essaie d'inspecter s'il y a rien. Là, il y a un autre séquenceur en fait. Quoi faire, je sais pas. Spring inspectons. Ah, attends, là on y est. Ok. Warning. Tout ça pour rien en fait. J'imagine que c'est par là. Là-bas, il y a un autre truc pour tous ces cancers. Tac. Tain, maintenant qu'on a le nouvel objet, on s'en sert de ouf. Hein. Ok. Ça libère ça. Ouais. Porte verrouillée, très bien, c'est pas par là. C'est là où on était. Voilà. Non! Ok, d'accord, très bien. Il y a un autre truc. Il y a un quart d'urgence. Qu'on a fait comment on va t'aller là, ça l'a pété, c'est bien par là. Ça fait 36 000 à un endroit. Ce n'était pas par là. C'était par la droite. Parce que la droite, c'était. La porte, elle était verrouillée à la droite.
viens par en bas. Est-ce qu'on peut passer par là? Maintenant. Ok. Ah, c'est vraiment tout est électrique. Séquenceur. Ah. Ça fait 6 fois et qu'on le fait, hein, ou plus. Ok. Du coup, c'était, ça traînait jusque là. Je pense que là, c'est ouvert. Normalement, même pas. Même pas, même pas. Donc, du coup, en bas. Il n'y a pas d'autre solution que dans les en bas. La logique. Tu casses les couilles, toi. Merci. Elle a ouvert exprès. Elle a ouvert exprès. Tu me fais pas peur, Harley. Tu me fais pas peur. Ok. Oh putain, on m'a fait sortir un. C'était largement prévisible après tout. Séquenceur, j'imagine. Ok. Venez, 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 venez. Ne faites pas peur là. Des fous. Je vais détruire les murs, on s'en va les steaks. Et en fait, c'est par là. Remonter par là. Donc, du coup, c'est. Ça ne servait strictement à rien en fait quand on ouvre l'accès. Quoi? C'est pas par là. Si, c'est par là. On descend, faut descendre. Voilà, raison. Elle est là-haut. Ouais, allez, viens, 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 je t'attends. Ah non, il faut changer de truc parce que ça va électrocuter. Je m'en souviens de ça. Voilà. Vite, ça se change. Voilà. Il n'y a pas de pitié, même envers ses potes. Vite, vite, ça change. Ah, on a senti l'os se casser. Ok. Ok. Je l'ai pas vu venir, c'est pour ça.
Ah, je me suis trompé. N'oublie pas d'esquiver. Eh bien, pourquoi ça n'esquive pas? Hop là. Toi, tu me saoules à un point. Elle me casse les couilles à mettre de l'électricité partout dans cette dalle là. Bon, c'est bon? Ah, il y en a d'autres qui se ramènent. Lol. Ok. Ah putain, quel con. Putain. Faut bien contrôler. Putain, tu... Soyez mort avec les contrôles là. Allez, c'est bon. Il a recommencé. C'est impossible. J'arrive tout de suite. Oups, changement de plan, petite. J'ai fait de mon mieux. Désolé, je n'aime pas les perdants. Je te raye de la liste des invités. Ça ira mieux la prochaine fois. J'ai pas de pitié. Non. T'as perdu, Harley. Ok les gens, on va s'arrêter là donc pour cet épisode donc de Batou Arkham Asylum. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve donc dès la prochaine fois pour l'épisode numéro, je ne sais plus, 7, 8 de Batou Arkham City. C'était Mega Samir. Bye tout le monde.